Yo les potes, c'est Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup par rapport aux nouveaux défis du coup qui sont arrivés. Donc on va faire une petite vidéo spéciale. Donc là du coup je vais vous faire la petite intro et du coup je vais vous mettre après tous les clips défis un par un. Du coup bon il y aura peut-être ma voix ou il y aura peut-être pas ma voix, je sais pas encore. Mais du coup je vais vous mettre défis un par un, un par un, un par un, un par un de tous les défis. Mais les défis ont été postés déjà hier soir sur la chaîne en sans la notification, il n'y a pas eu la notif, mais du coup vous avez juste le défi en lui-même. Et après vous avez du coup je vous fais la vidéo en entière là avec du coup tous les défis pour vous parler du coup de la récompense. Donc avant tout n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager et à liker, ça ferait énormément plaisir. N'oublie pas à commenter, à me dire par exemple merci t'es le boss, etc. Merci pour ton aide, merci pour les défis, ça ferait ultra plaisir. N'oublie pas aussi le code créateur JuGaming dans la boutique, ça ferait ultra plaisir. Et du coup dans cette vidéo on va parler du coup des défis du coup de Ghostbuster pour débloquer du coup le sac à dos le sac à dos Ghostbuster interdit. Donc on va faire du coup les premiers défis de Ghostbuster. Du coup moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à la prochaine pour je vous mets tous les clips à la suite et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JuGaming, bye bye. Donc les sismographes à Katy Corner, du coup je vous montre ceux de Katy Corner. Donc vous dans les défis, du coup faites ceux de Katy Corner parce que du coup je vous montre ceux-là d'abord. Donc le premier il se trouve au niveau du bus, au niveau de la caravane et du bunker. Donc il se trouve du coup juste ici, donc posez du coup le sismographe. Donc le premier se trouve juste là. Donc hop, voilà, ça ressemble à ça. Le deuxième se trouve au niveau du bus de réanimation et du gros caillou. Voilà. Et le troisième se trouve derrière du coup le garage. Donc le garage qui se trouve juste là, donc au niveau de la poubelle. Et du coup au niveau de la porte ici. Donc le dernier il se trouve juste là. Et du coup votre défi du coup est complété. Donc voilà pour du coup les défis de du sismographe de Katy Corner. Cuir des bibendum avec une pioche à Slug Big Swamp, Lazy Lake ou Retail Row. Donc je vais vous montrer du coup à ceux de Lazy Lake, suivez bien du coup comme ma vidéo, du coup n'allez pas faire les autres, faites bien du coup ceux de Lazy Lake. Donc il faut en détruire 3, donc ils sont juste là du coup les bibendum. Vous voyez ils sont juste là, ils sont juste ici, donc vous avez juste à en casser 3 à la pioche. Donc 1, 2 et 3, et votre défi du coup sera validé. Donc regardez, 2 sur 3 et 3 sur 3, et le défi du coup est validé. Du coup, étape 3 du coup de Ghostbuster, donc c'est obtenir des pièces mécaniques en détruisant des véhicules. Donc je vais vous montrer du coup comment les obtenir. Donc vous avez les voitures, vous devez juste casser les voitures jusqu'à qu'elles explosent. Vous allez voir du coup, une fois qu'elles vont exploser, vous allez avoir du coup une pièce mécanique du coup qui va apparaître. Bon, du coup on va attendre que la voiture disparaisse et je vous montrerai de plus près. Peut-être pas mourir par le feu. Donc regardez. Du coup là vous voyez vous avez du coup des pièces mécaniques donc à prendre. Et vous devez du coup en récupérer 5. Donc hop, récupérer la pièce mécanique. Hop là j'en ai récupéré 2. Bon celle-là elle a disparu, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, vous avez juste à détruire des véhicules, à prendre les pièces mécaniques du coup qui sont disponibles. Vous devez en récupérer 5, donc plus précisément aller à Risk Hills du coup pour du coup récupérer vos pièces mécaniques. Voilà. Donc là, à prendre la pièce mécanique, donc vous êtes à 4 sur 5. Là, celle-là va exploser. Et vous allez avoir votre dernière pièce mécanique du coup. Et normalement, on va essayer de pas mourir par le feu. Et du coup la dernière pièce mécanique du coup elle est là, vous avez, il y en a plusieurs par voiture des fois. Donc voilà, donc là vous avez du coup la pièce mécanique. Les gars, étape 4 du coup du pro de confinement, placer des panneaux SOS fantôme
à Holy Edge, Dirty Dock ou Pleasant Park ou Craggy Cliff. Donc je vais vous montrer directement moi à Pleasant. Donc voilà, comme je vous ai dit, suivez bien la vidéo, faites bien comme moi, comme ça vous serez pas perdu dans vos défis, vous chercherez pas partout. Donc le premier panneau Ghostbuster du coup se trouve juste ici, du coup devant la maison à souterrain. Donc vous la connaissez un peu tous, la maison à Pleasant Park avec le souterrain. Donc hop, on place du coup le premier panneau. Le deuxième panneau va se trouver derrière la maison rouge qui est en plein milieu entre cette maison là et la maison niche. Donc il va se trouver en plein milieu juste ici. N'oubliez pas les gars bien sûr de liker, partager et de vous abonner pour tout ce qui est les vidéos défis, ça fait ultra plaisir. Donc le deuxième panneau il va être juste là. Voilà. Et le troisième panneau, vous le voyez déjà devant moi, il se trouve du coup devant la maison jaune qui se trouve juste là au bord de la route ici. Donc devant cette maison, et c'est du coup le troisième panneau du coup pour terminer votre défi. Étape 5 sur 5, déployer un piège à fantôme. Donc c'est très facile, vous voyez, il y en a un peu partout sur la carte. Mais vu qu'on vient de faire les panneaux à Pleasant Park, là hop, vous avez juste à vous tourner, à venir du coup en plein milieu ici. Et hop, à déployer un piège à fantôme. Du coup, voilà pour le piège à fantôme, les potes. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Bon, celle-là aurait été courte. Mais voilà, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont regardé du coup cette vidéo par rapport au piège, aux cartes à remplir du coup de pro du confinement. Et après vous aurez du coup votre récompense, remplir, terminer la carte à remplir de SOS Phantom, vous aurez votre récompense. Du coup là moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de TG Gaming. Bye bye.